Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Maxime Trouleau. Alors que le débat se poursuit en antenne, 5h24 sur Sud Radio, Elisabeth Lévy, Françoise Degout, on va revenir bien évidemment sur cette lettre d'Emmanuel Macron qui a été publiée en fin de journée hier dans la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État qui sort du silence et qui dit « personne ne l'a emporté aux législatives ». Est-ce qu'il est encore audible, le chef de l'État, vraiment ? Bon, oui, mais, moi je comme tous les Français, il m'écrit, je lis sa lettre. Il a eu raison de publier cette lettre ou pas ? Écoutez, je vais pas distribuer des bons points, mais c'est pas qu'il a eu, il faut, de toute façon, il fallait qu'il intervienne. Simplement, si c'est pour nous faire, 3 jours après, un commentaire que nous avons tous fait, c'est-à-dire que personne n'a gagné, enfin non, sauf ceux qui se prétendent vainqueurs, mais sinon, tout le monde a pu observer que personne n'avait gagné, et qu'il y avait pas de majorité. En disant ça, Elisabeth, vous étiez sûr que Françoise allait réagir. Ce qui est drôle, c'est qu'un parti qui a eu 28% des voix, vous explique depuis une semaine. Mais bon, après, il y a une course, vous savez, c'est comme le tiercé, il y en a un qui arrive premier, deuxième, troisième. Donc, même Elisabeth Lévy, qui est d'une intelligence rare, est pas capable de voir une photo finie de tiercé. Mais c'est une chamaillerie, vous savez. Nous sommes comme les politiques, Elisabeth et moi. Nous avons notre vie publique et nous avons notre vie privée où on se chamaille ardemment depuis dimanche. Moi, je lui dis, on a gagné. Excusez-moi, il me semble qu'elle déborde sur notre vie publique. Non, je veux dire par là, c'est que, en réalité, il va aller mieux qu'il se taise. Je veux dire, il est président de la République. Public. Son travail à lui, c'est pas de dire personne ne l'a emporté. Il y a une réalité. Les gens qui ont voté pour la gauche pensent qu'il l'a emporté. Le Rassemblement social peut considérer qu'il a perdu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa majorité à lui, elle a perdu. Donc il est battu le 9 juin. Il est battu le 30 juin. Il est battu le 7 juillet. Il demande aux forces républicaines. Mais là, Elisabeth va forcément être d'accord avec moi. Je vous rappelle qu'il avait mis un veto sur LFI, qu'un coup le RN est dans l'arc républicain, le lendemain il est plus dans l'arc républicain. Quand vous voyez ce salmigondi, c'est en figurique sa lettre. Elle est courte, ça, au moins on a échappé à guerre épée, je veux dire. Hein. Mais c'est en figurique, c'est-à-dire que les forces républicaines. Alors, il va où ton arc ? D'où il va ton arc ? Il va de LFI au RN ? Bon. Il va du PS sans le RN ? C'est quoi ? Elisabeth. Alors, ouais, je vous remercie d'avoir employé deux mots si jolis, en figurique et salmigondi. Oui, c'est vrai, oui. Ça, j'aime merci ma chère Françoise pour ce petit cadeau. Je pense qu'il a une vocation à parler, tout simplement institutionnelle. Je vous rappelle, c'est lui qui doit nommer le premier ministre, et donc de dire au parti, démerdez-vous pour me, pardonnez-moi cet écart de langage. Débrouillez-vous pour me fournir une majorité, le gouvernement qui va avec. C'est effectivement ce qui se passe. Par ailleurs, évidemment que l'Élysée met son nez dans les tractations, parce que contrairement, là je suis sérieuse, il y a plusieurs coalitions possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun bloc n'a la majorité tout seul. Et que aucun bloc n'a reçu mandat pour appliquer son programme. Parce que la réalité, c'est que c'est pas seulement une question de personne. La question de personne, moi ça ne me choquerait pas. Si vous voulez qu'on dise Matignon doit effectivement, dans une coalition un peu, probablement UMPS, doit revenir au premier bloc arrivé, socialiste, écolo, et voilà. Bon, et ça ne me choquerait pas. En revanche, ils n'ont pas reçu mandat pour leur programme. Et très vite, sur l'arc républicain, moi, finalement, si vous voulez, je pense qu'il faut abandonner ces préventions morales, bien que toutes celles que j'ai contre LFI, notamment, et qu'il faut parler avec tout le monde. Elisabeth, je vous remercie. Pas de diabolisation, ni d'un côté, ni de l'autre. J'en ai marre de la religion. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire, et puis surtout, l'arc républicain à géométrie variable, il faut qu'il s'en mêle dans ses flèches, Emmanuel Macron. Hein. Franchement, un jour, il y a LFI qui n'est plus républicain, le lendemain, c'est le RN, ensuite le RN. On a compris, Françoise. Ouais. Voilà. Bon, d'un mot, quand même, on a compris, il nous reste 2 minutes. Vous causez meilleur, vous. Non, mais c'est dingue. C'est juste qu'on voulait parler, Françoise, avec Elisabeth. Il sait comment il faut vous parler. Sinon, Françoise, on ne vous arrête jamais. Bravo Max. Soyez mieux élevé. On va parler des Jeux Olympiques, Elisabeth, parce que vous voulez revenir notamment sur les installations du côté de Paris. Écoutez, c'est dans 15 jours. Je pense que tous les Parisiens, évidemment, il n'y a pas que des Parisiens, et loin de là qui nous écoutent, donc tous les Parisiens ont leur expérience terrible. Si vous voulez, se déplacer dans Paris est un cauchemar. Il se trouve que Françoise et moi, dans un de ces dîners secrets que nous avons, sommes revenus ensemble dans Paris il y a 2 jours et que nous avons mis 45 minutes pour faire un trajet qui aurait dû en prendre un quart d'heure, parce que Paris est hérissé, tous les ponts sont fermés, mais surtout, et là je suis sérieux, ce matin, le RER
ne marchait pas, bien sûr. Donc, le tableau. Bon, je me dépêche. Donc, j'ai dû prendre un taxi pour venir jusqu'à vous et jusqu'à vous, chère Françoise. Eh bien, donc vous prenez les quais. C'était hérissé, on a l'impression d'être dans une prison, une ville prison du futur. C'est ça une ville qui accueille, elle est hérissée de grilles, de portiques. Il y aura des checkpoints en quelque sorte partout parce que les gens ne peuvent pas circuler librement, on ne voit rien puisque toutes les places sont devenues des stades, c'est un cauchemar, ça n'a rien à voir avec de l'accueil. Après, c'est la sécurité, Elisabeth. Oui, bah, c'est ça. Donc, vous arrivez, c'est génial. On accueille dans une prison. Maxime, c'est pas tout à fait la sécurité. Pas c'est que, aussi, mais en partie. C'était si parle lié, des palmiers, parle des palmiers. C'est aussi lié au fait, oui, alors moi, je suis embêté. Moi, je suis la Bobolande parfaite. C'est-à-dire, j'habite dans l'île Saint-Louis. Donc, moi, je suis enfermé. Je suis encagé à l'extérieur. Mais je sais pourquoi. Et alors, bon, ces palmiers, je sais qu'il y a Yann Brossat qui arrive. Enfin, on va vous dire. Je veux quand même dire à Yann Brossat qui va nous succéder que si on pouvait m'enlever ces palmiers du pont Saint-Louis parce que ça n'a rien à voir. Voilà mais comment ça se passe à gauche. Non. On demande des passes droits en direct. La réalité, non mais Elisabeth, parce qu'il y a, François, y a un parti pris qui a été pris à Paris de faire la cérémonie au cœur sur la Seine et de faire les Jeux dans Paris. Alors évidemment c'est un désagrément, la réalité c'est que je pense que le final va être éblouissant. C'est un cauchemar. Voilà. Et je voulais un mot. Les commerçants. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui à Paris. Non mais c'est tout le monde a l'air de s'en foutre en fait. Commerçants sont dans un état d'inquiétude. Ça devait être leur grande saison, mais ça c'est pas grave. Il faut que la photo soit belle, que Madame Hidalgo puisse faire la belle. Franchement, cette opération de cirque est vraiment déçue. Ça me plaît pas. Merci à toutes les deux. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, 8h31. Mais justement, Yann Brossat, qui était entré en studio, répondra peut-être sur cette polémique des Jeux Olympiques. Il est l'invité de Benjamin Anglès dans un instant, le sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste. À demain.